Ouais, mon roman que j'ai beaucoup apprécié cette année, c'est La Nuit des Temps. C'est un roman écrit dans les années 1960 et c'est un roman de science-fiction. Puis il y avait une certaine guerre dedans et moi, j'aime beaucoup les romans qui relatent une guerre. Mon roman préféré, c'est Les 10 Petits qu'on a lu en secondaire 1. J'ai vraiment aimé ce livre-là parce que c'est un suspense, puis tu veux tout le temps continuer à lire, tu veux jamais arrêter. L'auteur est capable de garder un doute sur chacun des personnages sans qu'on sache vraiment c'est qui le tueur. J'aime ça lire du Jean-Jacques Rousseau. J'ai vraiment eu du plaisir à lire ce roman parce que je voulais jamais arrêter de le lire. Ouais, ben en fait, moi, mon écrivain préféré, c'est Pierre Bottero. C'est un Français qui écrit beaucoup de romans fantastiques, mais derrière ça, il y a vraiment une belle morale, beaucoup de leçons de vie. Puis c'est très poétique, c'est très beau. J'adore ça. On voyage beaucoup avec lui. Il a écrit les Elana, puis les mondes d'Eulan et la quête d'Eulan. Moi, j'ai beaucoup apprécié le roman qu'on a lu en secondaire 2, Le Passeur. La raison pourquoi j'ai aimé ce roman, c'est parce que c'est un roman d'anticipation. J'ai beaucoup apprécié la façon dont l'auteur a fait son histoire vraiment réaliste. Bon, ben moi, j'ai vraiment aimé la série d'Aurélie Laflamme, parce que ben, c'est écrit sous forme de journal intime, puis à l'environ de mon âge, fait que ses raisonnements sont vraiment comme les miens, puis des fois, elle pense des affaires, puis je commence tellement à rire, puisque ça me fait penser que je suis pas toute seule dans mon cas, qu'il y en a d'autres qui ont le même, ben, qui ont la même pensée que moi. Parce que je me reconnaissais bien dans le personnage d'Aurélie. Mon préféré, parce qu'il y a 8 tomes, puis mon préféré, moi, c'est le dernier, puisque c'est son bal de secondaire 5, puis c'est quelque chose qu'elle a attendu tout ce secondaire, comme moi aussi. Eh bien, moi, mon roman favori, c'est Le Clan des Otaries par Leanne Hearn. Ça raconte l'histoire d'un jeune Japonais que sa famille a été ravagée par un certain clan, et lui, il cherche à se venger, mais durant tout son trajet, il obtient de l'amour, et il ne sait plus s'il devrait se venger ou choisir la route de l'amour. Moi, mon roman préféré, c'est « Comment devenir un ange » que j'ai lu l'année passée en secondaire 4 parce qu'il contient plein de réflexions philosophiques qui parlent de la vie en général. Moi, pour l'instant, mon auteur préféré, c'est Michel Tremblay. J'ai découvert quand on a lu « Un ange cornu avec des ailes de tôle » en secondaire 3, mais en ce moment. Et j'aime bien son style parce que je trouve que c'est très réaliste. Il se base beaucoup sur les faits qu'il a vécu et les gens qu'il rencontre. Et comme quand il a écrit les chroniques du plateau Mont-Royal, je pense que c'est une bonne portrait de famille parce que Il se base beaucoup sur sa mère et ses frères et les gens qu'il rencontre pour transposer ça dans des personnages qui ont l'air plus réels et qui ont beaucoup plus de profondeur. Les belles sœurs, extrait Michel Tremblay. C'est bien pour dire, hein? 1 million! Ils sont devant moi, là, puis je le crois pas. 1 million! Je sais pas au juste ça fait combien, là, mais quand on dit 1 million, on rit plus? Ils m'ont envoyé un catalogue avec. Il y a des assez belles affaires là-dedans, là. Tu devrais voir ça, c'est pas créable. Je pense bien que je vais me prendre tout ce qu'il y a dedans. Papa bois dans les pins, papa peint dans les bois. Dans les bois, papa bois et pain. Trois très gros gras gars à gris gratte. Prenons cuit, prenons cuit, prenons cuit, prenons cuit, prenons cuit, prenons cuit. Lorsqu'un cordier cordon veut sa corde accordée, trois cordons de la corde et des cordes. Si le cordon de la corde décorde, le cordon de la corde décordée fait décorder la corde. J'ai un point dans mon pourpoint qui me pique et qui me pointe. Si je savais celui qui a mis ce point dans mon pourpoint qui me pique et qui me pointe, je lui mettrais un point dans ce pourpoint pour qu'il le pique et qu'il le pointe. Elle est debout sur mes paupières et ses cheveux sont enlignés. Elle a la forme de ma main, elle a la couleur de mes yeux. Elle s'engloutit dans mon ombre comme une pierre sur le ciel. Elle a toujours les yeux ouverts et ne me laisse jamais dormir.
ses rêves en pleine de lumière font évaporer les soleils, me font rire, pleurer et rire, parler sans avoir rien à dire. Chanson d'automne de Paul Verlaine. Les sangles longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Soir d'hiver, des milligans. Ah, que la neige a neigé. Ma vitre est un jardin de givre. Ah, que la neige a neigé. Qu'est-ce que le spasme de vivre à la douleur que j'ai, que j'ai. Tous les étangs gisent et gelés. Mon âme est noire. Où vis-je, où vais-je? Tous ces espoirs gisent et gelés. Je suis la nouvelle Norvège, d'où les blancs ciels s'en sont allés. Pleurez, oiseaux de février, au sinistre frisson des choses. Pleurez, oiseaux de février, pleurez mes pleurs, pleurez mes roses, aux branches du genévrier. Le français, c'est ma langue. C'est ma langue. C'est ma langue. C'est ma langue. Le français, c'est ma langue. Le français nous unit. Comme vous pouvez le voir, au Collège Jean-Heuth, le français, c'est pas juste un cours.